Dans ce premier chapitre, je vous proposais de commencer à parler du test d'hypothèse, mais je vais tout d'abord poser la question de savoir, avant de tester les hypothèses, qu'est-ce qu'on mesure? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les données? Vous l'avez vu, Jon Snow, pour récupérer des données, s'est simplement contenté de compter le nombre de décès d'une maladie. Mais je poserai d'autres questions, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour tester une théorie et se demander s'il y a bien une causalité, donc un lien de cause à effet entre quelque chose qu'on observe et puis une certaine quantité de variables. Et ensuite, je vous proposerai de regarder quelles sont ces variables. Donc nous parlerons ensemble de la question de variables nominales, ordinales, métriques, et puis également de variables quantitatives, mais aussi de variables qualitatives. Qu'est-ce que c'est que la causalité? Alors, en causalité, le philosophe de référence est un Anglais qui vivait un peu à la même époque que Jon Snow, et qui dit finalement, voilà ce qu'on peut dire sur la causalité. Pour qu'il y ait causalité, il faut que trois conditions soient remplies. La première condition, c'est qu'on va mesurer la cause, on va mesurer l'effet. Et on va regarder si entre ces deux mesures, il y a ce qu'on appelle une corrélation, donc elle varie en même temps. Donc quand il y en a une qui augmente, l'autre augmente ou diminue, mais en tout cas elle varie en même temps. Donc ça, c'est le premier critère, c'est la question de la covariation. Deuxième critère, le fait d'avoir une corrélation dit que deux variables sont liées, mais ça ne dit pas laquelle cause la seconde. Et donc, pour Mill, c'est tout simple, la cause précède l'effet. Donc il y en a une qui doit varier d'abord et l'autre suit. Et c'est à ce moment-là qu'il y a non seulement liaison, mais on a causalité. Et puis le troisième point, qui est aussi très important, c'est qu'on peut parfois faire beaucoup de mesures, trouver des corrélations, des causes qui précèdent des effets. Mais en réalité, il faut toujours faire très attention pour regarder s'il n'y a pas de théorie alternative. C'est-à-dire, on peut avoir un élément A qui va causer B et C. Et donc, bien entendu, le but, ce n'est pas de montrer que B et C sont liés, qui se succèdent dans le temps, mais c'est de trouver A, hein, c'est-à-dire la variable qui peut tout expliquer. Donc voilà, ici, vous avez les bases du test d'hypothèse. C'est bien sûr la question qu'on se pose, de savoir s'il y a un lien de cause à effet. Entre des variables. Alors, dès lors, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on fait pour tester une théorie. Alors, je vous le rappelle, l'intérêt des théories en sciences sociales, dont on a beaucoup parlé dans notre cours précédent sur les critères de scientificité, c'était le fait de savoir que, bah, une théorie, rien ne vaut une bonne théorie. Une théorie va vous proposer des construits qui sont liés entre eux. Et donc, grâce à ces liens, on va pouvoir poser des problématiques et formuler des hypothèses. Donc, ce qui est le centre de toute démarche de recherche. Donc, comment est-ce qu'on procède? Bah, tout d'abord, à partir de la théorie qu'on va trouver typiquement dans la littérature, dans des articles scientifiques, on va essayer de définir quels sont les construits sur lesquels on va travailler. Donc pour travailler sur les construits, il y a une méthode. Cette méthode, vous l'avez vue dans le manuel de recherche en sciences sociales de Raymond Kivi et Lubb van Kampenhout. On le reverra dans le cours sur la construction de questionnaires. Il y a une manière rigoureuse de passer des théories qui proposent des concepts aux composantes en disant on va prendre ces concepts, on va les décomposer en une série de dimensions et on va mesurer ces dimensions à travers des composantes. Donc là, je ne vais pas détailler cette partie-là, mais elle est couverte dans les autres cours que nous faisons ensemble. Par exemple, quand on parle de la question du réchauffement climatique, est-ce que le climat est en train de changer? Est-ce qu'il change par exemple, via une augmentation de la température moyenne sur Terre? Ben vous voyez que cette idée de température moyenne sur Terre est un concept. Que ce concept, on en parle, mais qu'en fait, il est construit à travers différentes dimensions, notamment des températures qu'on va mesurer dans l'eau, des températures qu'on va mesurer dans l'air, des températures du sol.
et que, effectivement, pour pouvoir implémenter ces dimensions, il va falloir définir des composantes. Typiquement, on va avoir des lieux de mesure, donc à des endroits donnés et à un moment donné. Donc vous voyez comment est-ce qu'on décline en fait un concept en dimensions, puis en paramètres mesurables. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'étape suivante est plus facile, c'est qu'il s'agit de mesurer les différentes variables qu'on a pour estimer en fait la valeur de ces différentes composantes. Il y a plusieurs types de variables. Alors bien entendu, quand vous mesurez une température, vous avez ce qu'on appelle une variable métrique. Donc en fait, une variable métrique, c'est simple, vous avez une échelle de température depuis 0 degré Kelvin, et cette échelle de température va vous permettre d'avoir un chiffre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille en sciences humaines, en génie industriel, en modélisation, on est très souvent confronté à des variables qui ne sont pas des variables métriques, qui sont ce qu'on appelle des variables nominales ou ordinales. Et donc c'est ce que je vais vous présenter dans les diapositives à venir. Une fois qu'on a ces variables, on passe à la dernière phase, qui est une phase essentiellement mathématique, où on va récupérer les données et vérifier donc si on trouve les corrélations dont on a besoin pour pouvoir affirmer que une théorie fonctionne ou au contraire qu'elle est réfutée. Les variables numériques sont donc de divers types. Alors vous avez des variables numériques qui sont continues, comme par exemple un poids ou une taille. Donc c'est ce qu'on appelle des variables métriques continues. Il n'y a pas de discontinuité entre le fait de faire 1 mètre 7 cm et 1 mètre 7 cm et 1 mm. Mais il faut savoir qu'il existe également des variables discrètes, donc des variables métriques discrètes. Donc par exemple, quand vous avez une image sur un ordinateur, vous savez que vous ne pouvez pas grossir cette image à l'infini. En fait, c'est une variable qui correspond à une résolution, à un certain nombre de pixels. On peut aussi comparer ça à la capacité à grimper sur une échelle, et il y a des barreaux de l'échelle, et on ne peut pas être entre les barreaux. Donc à ce moment-là, on parlera de variables métriques discrètes. Alors quand vous avez des variables métriques, l'avantage, c'est que tout ce que vous avez appris en mathématiques automatiquement devient utile. Donc vous allez pouvoir calculer des moyennes, calculer des écarts-types, calculer des covariances, faire de l'analyse en composantes principales, dont on reparlera plus tard, etc. Donc ça, ce sont les variables métriques. Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est des variables nominales. Alors, ce qui est particulier dans les variables nominales, c'est que on ne peut pas les classer. Par exemple, si je vous demande où vous êtes né, ou quel est votre plat préféré, voyez bien que je ne peux pas faire de moyenne entre des variables nominales. De même, une question qu'on a souvent dans les questionnaires, c'est le sexe. On ne peut pas faire de moyenne entre masculin et féminin. On est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas classable. Donc vous voyez, le problème de ces variables nominales, c'est qu'on ne peut pas faire de calcul à partir d'elles parce que les calculs n'ont pas vraiment de sens. Donc si on demande à quelqu'un sa marque de voiture préférée, on ne peut pas faire de moyenne entre deux marques de voiture. Ça n'a pas de sens. Alors, malgré tout, avec des variables nominales, on peut quand même parfois faire des choses. Si je vous demande par exemple où vous êtes né, je vais pouvoir convertir une variable nominale, qui n'est pas quantitative, en une variable quantitative, par exemple, en calculant à quelle distance vous êtes né, ou où est-ce que vous allez en vacances. Si vous me donnez votre marque de voiture préférée, je peux essayer de faire une conversion en disant, bah voilà, Mercedes en général, c'est plus cher que Renault. Donc on peut essayer de calculer quelque chose. Un autre exemple très intéressant, c'est le vote à une élection. Donc quand on sonde les gens pour leur demander leur opinion politique, on va en général les situer sur une échelle gauche-droite. Alors ça, c'est très intéressant parce que les opinions politiques sont des choses qui sont complexes.
Et il se trouve que en 1789, lors de la réunion de l'Assemblée française, il y a eu un vote et qu'il y a des gens qui étaient pour le roi qui se sont mis à droite du président, les gens qui étaient plutôt pour la République à gauche. Et depuis ce temps-là, on parle d'échelle gauche-droite en politique, mais c'est une échelle qui est bien sûr quelque chose de construit. Mais vous voyez que ça marche quand même, c'est-à-dire on dit à des personnes qu'elles sont d'extrême droite ou du centre ou à gauche, et donc on se sert de cette échelle qu'on a construite à partir de variables en fait nominales. Maintenant, je vais vous parler du troisième type de variables, qui sont les variables ordinales. Alors, les variables ordinales, c'est quand vous posez des questions aux gens, par exemple comme celle-ci, j'ai confiance en moi, cochez la case correspondant à votre opinion. Tout à fait, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, pas d'accord du tout. Donc là, ce que nous avons ici, c'est assez particulier parce que ça n'est ni une variable métrique, je l'expliquerai pourquoi, ni une variable nominale. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle une variable ordinale, c'est-à-dire c'est une échelle de mesure. Alors comment est-ce qu'on fait pour traiter des variables ordinales? Bah, vous voyez qu'a priori, vous allez être tenté de dire tout à fait d'accord, ça vaut 1, plutôt d'accord, ça vaut 2, plutôt pas d'accord, ça vaut 3, et pas d'accord du tout, ça vaut 4, et je vais faire une moyenne. Donc vous allez être, vous demander si vous ne pouvez pas convertir ces variables ordinales en variables métriques, ou finalement la question c'est de savoir si c'est des variables nominales, c'est-à-dire si on ne peut pas les trier. Alors que dire? Bon, d'abord, il y a un effet pervers. Les échelles là que je vous indique sont des échelles qui ont été inventées par quelqu'un qui s'appelle Rensis Likert, hein, et qui sont extrêmement utilisées aujourd'hui, notamment dans les sondages d'opinion. Et donc, on en reparlera en détail dans notre cours sur la conception de questionnaires. Mais l'idée, c'est que quand vous avez un Likert, vous êtes tenté, bien sûr, fortement de faire des calculs dessus. Le problème, c'est que en réalité, vous n'avez pas le droit de faire des calculs sur un Likert. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Bah parce que quand vous dites par exemple pas d'accord, pas du tout d'accord, ça fait 1, assez d'accord, ça fait 2, vous faites une hypothèse importante qui est de dire qu'il y a une distance entre les réponses. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Bah par exemple, que passer de pas du tout d'accord à assez d'accord, c'est la même chose que de passer de assez d'accord à plutôt d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire l'hypothèse comme quoi des réponses sont espacées de manière uniforme sur une échelle, ça n'a pas de sens. Donc les variables ordinales ont cela de particulier que elles ne sont ni nominales, puisqu'elles sont quand même ordonnées, ni métriques. Et donc ces variables nominales, quand vous faites des questionnaires, vous allez en collecter énormément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mathématiques que vous utilisez pour les variables métriques, les moyennes, les écarts-types, ne marchent pas avec les variables ordinales. Il existe des mathématiques spéciales pour traiter les variables ordinales. Maintenant, qu'en est-il des variables que vous mesurez? Ces variables ne sont pas des chiffres, elles ne sont pas quantitatives et elles ne sont même pas définies dans des catégories fermées. Alors vous avez bien sûr les Likert, mais que dire d'un comportement? Donc par exemple, vous décidez de regarder quelle est l'attitude des gens par rapport à une vitrine. Donc vous allez voir des gens qui vont éviter certaines parties de la vitrine. Se concentrer à tels et tels endroits. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une enquête, par exemple, sur la diffusion des maladies sexuellement transmissibles? Donc clairement, vous voulez vous demander si les gens utilisent des préservatifs. Vous n'allez pas aller observer cette pratique, mais vous allez poser des questions. Donc ce que vous collectez, ce n'est pas un comportement, c'est un discours sur un comportement. Les gens donc peuvent dire la vérité ou peuvent dire d'autres choses.
Donc là, on est dans des questions très intéressantes, qui est finalement comment est-ce qu'on fait pour concevoir un questionnaire de manière à avoir des réponses le plus exactes possible, alors même qu'on n'observe pas la réalité, mais qu'on observe un discours sur la réalité. Et donc pour ça, dans le cours sur la conception de questionnaire, nous parlerons tout à l'heure de la notion de biodata. Pour terminer, il y a encore d'autres types de variables. Donc par exemple, vous pouvez demander aux gens de classer par ordre de préférence leur plat préféré ou les endroits où ils veulent aller ou dans un groupe de personnes, les gens avec lesquels ils ont le plus d'affinité. Donc ces questions-là, on va regarder quel est le premier choix. Il va y avoir de multiples réponses possibles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est des questions qu'il est facile de poser, mais qu'il est extrêmement difficile de traiter derrière. Vous imaginez le problème mathématique que vous allez avoir quand vous avez des classements multiples avec un nombre de réponses variables. Donc j'aurais tendance à dire, ne posez jamais ces questions-là parce que, à moins que vous ne sachiez derrière comment vous allez les traiter. Mais c'est très difficile de faire du test d'hypothèse avec ce genre de données. Autre possibilité, vous pouvez collecter des données sous forme de graphes. Alors nous en reparlerons quand nous ferons le cours sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, dans les réseaux sociaux, on trace ce qu'on appelle des sociogrammes. Donc ceux d'entre vous, par exemple, qui utilisent Facebook, ont peut-être vu qu'il existe la Friends Wheel, qui fait le lien entre tous vos amis sous une forme visuelle. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces graphes sont finalement extrêmement intéressants parce qu'on peut les mathématiser, on peut les convertir en matrices. Et donc, les matrices font l'objet, bien sûr, d'un traitement mathématique. Ensuite, quand vous faites un entretien, vous collectez des variables qu'on appelle des variables textuelles. Alors, je vous en ai déjà parlé un peu dans le cours exploration ou vérification. L'idée, donc, c'est que vous avez un entretien. Cet entretien, vous allez le taper. Et derrière, vous allez faire ce qu'on appelle de l'analyse de contenu. Donc, je vais vous détailler l'analyse de contenu dans la diapositive suivante. En tout cas, faites très attention. On peut collecter toutes sortes de données. C'est facile de collecter les données, mais c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à les traiter derrière. Donc mon conseil est ne collectez pas de données si vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Tout d'abord, il faut savoir maîtriser un certain nombre de logiciels. Donc par exemple, en analyse numérique, on utilise des logiciels comme R ou SPSS ou SAS. Bien entendu, si vous ne maîtrisez pas ces logiciels, il faut éviter de vous lancer dans des choses complexes. Éventuellement, vous contenter de poser des questions simples et d'utiliser Excel pour faire des calculs de corrélation. Deuxièmement, le problème qu'on a aussi quand on met en œuvre des méthodes d'analyse, c'est qu'à un moment dans votre enquête, il va falloir expliquer vos résultats. Et donc non seulement il faut que vous soyez en état de maîtriser au niveau logiciel l'analyse qu'on va avoir à faire, mais il faut aussi que vous soyez en mesure d'expliquer au client ce que ça veut dire. Et c'est parfois plus compliqué que ce qu'on croit. Et puis le dernier point, traiter les données, ça prend beaucoup de temps. On parlera des entretiens. Donc il faut savoir que réaliser des entretiens, c'est facile, c'est intéressant, mais derrière, quand on veut exploiter scientifiquement les données d'un entretien, il va déjà falloir taper l'entretien, et ensuite il va falloir passer à une analyse de contenu. Donc grosso modo, quand vous faites 1 heure d'entretien, il faut prévoir au minimum 3 heures d'exploitation derrière. Alors, l'analyse de contenu est une méthode de traitement des données qui est particulière, parce que contrairement aux méthodes de mesure et de test d'hypothèse que je vais détailler, elle se fait essentiellement en utilisant son cerveau.
Alors vous me direz, tout ce qu'on fait se fait en utilisant son cerveau, ne serait-ce que pour analyser une covariance, il faut bien derrière avoir le cerveau. Mais là, la méthode est particulière, donc elle consiste à essayer de regarder quels sont les concepts qui sont utilisés, faire des cartes conceptuelles. Je vous renvoie donc au cours que l'on a fait sur le sujet. Et donc c'est une méthode assez particulière que l'analyse de contenu. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire de l'analyse de contenu? Bah, vous prenez le texte de l'entretien que vous avez, à partir de ce texte, vous allez faire une carte conceptuelle ou une mind map. Et donc il existe des logiciels qui peuvent vous aider à faire cela. Notamment, je vous ai présenté dans notre cours sur le mind mapping, Freeplane et Visual Understanding Environment qui sont utilisés dans le cadre de ce module de cours. Donc voilà à quoi peut ressembler une carte conceptuelle. Vous avez un texte, vous allez analyser sa forme, de quoi il est composé, est-ce qu'il y a des strophes, etc. Vous allez analyser son style, vous analysez son sens. Et donc tout ça, vous allez le faire essentiellement avec votre tête. Donc dans la plupart des cas, quand vous faites des entretiens, quand vous travaillez sur l'adoption d'un système informatique, en réalité, ce que vous faites, c'est de l'analyse de contenu par rapport à des discours, c'est pas du test d'hypothèse.